Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien, hyper bien, bien. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'histoire de la pétition qui est en train d'être signée en ce moment pour demander à rejouer le match de la France contre la Suisse. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. Un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vais vous expliquer alors pourquoi les gens demandent une pétition. Donc, sur le match qui opposait la France contre la Suisse, on sait tous que non, le match était arrivé jusqu'au tir au but. Alors, pour les tirs au but, il y a une seule règle, que le gardien ne doit surtout pas dépasser la ligne avant que le joueur puisse tirer. Mais quand on remarque sur les images ici, on remarque bien que le gardien de la Suisse avait dépassé la ligne avant même que Kylian Mbappé puisse tirer. Voilà pourquoi les gens demandent à ce que ce match puisse être rejoué, car le gardien n'a pas respecté les règles de la FIFA et de l'UEFA en fait, les règles qui sont établies pour que les gens puissent jouer les pénalties. Alors moi, personnellement, je suis d'accord avec cette règle parce que j'ai vu que le gardien n'a pas respecté. Donc, comme vous pouvez juste voir sur les images, regardez, le gardien était déjà en avance avant même qu'on puisse jouer le pénalty. Donc, si vous voulez également signer la pétition comme moi, regardez même ce gardien, regardez, il a attendu parce qu'il savait ce qu'il venait de faire. Donc il a attendu d'abord que l'arbitre puisse lui donner l'aval. Parce qu'il était conscient qu'il venait de commettre une erreur, que normalement ce penalty devait être un penalty à rejouer. Malheureusement, les arbitres depuis le début de l'Euro, j'ai remarqué que non, ils n'ont pas été vraiment très 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 catholiques avec l'équipe de France. Voilà, ils ont accorder ça comme un but, mais normalement je pense que ce penalty c'est un penalty à rejouer. D'ailleurs, moi je suis parmi ces personnes qui ont signé la pétition. Je vais vous mettre le lien de la pétition sous ma description. Si vous voulez comme moi signer la pétition, n'hésitez surtout pas à signer la pétition. Bon, après je sais pas les effets de la pétition, là où ça peut emmener, je sais pas si ça pourra faire ce qu'on puisse rejouer le match, je sais pas, mais celui qui tente rien n'a rien. Donc on va tenter.